y a sûrement plus de garçons pour le foot, mais il y en a moins et il y en a moins pour la danse, mais c'est pour, réservé pour les deux. Les filles, même si elles sont pas plus fortes physiquement que les garçons, l'escrime c'est pas forcément un sport physique et je trouve que tout le monde peut en faire. Pas de sport de filles, pas de sport de garçons. Le sport, c'est le milieu de la mixité par excellence. Mais pourtant, la femme n'y a pas une place de choix. Moins médiatisée, moins considérée, moins payée, la parité fait défaut. Et surtout, on ne veut pas de la femme partout, surtout dans certains sports dits masculins. Mais qui a dit qu'il y avait des sports réservés à notre genre ? Pour prouver le contraire, j'ai retrouvé Luce, 17 ans, à la salle d'armes, dans la crypte de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Moi, c'est une histoire de famille déjà. J'ai un arrière-grand-père maître d'armes et tout le monde est passé par l'escrime, donc je suis un peu la suite. Et puis, j'aimais bien les films de cap et d'épée quand j'étais petite et ça me défoule bien. Et puis, quand je suis mal, quand je me sens pas bien, ça permet de penser à autre chose. Et puis, ça permet de se dire qu'on est capable de faire des choses. Et puis, c'est un sport où on est tout seul, c'est pas un sport d'équipe. Donc, c'est vraiment être en lien avec ce qu'on fait nous-mêmes. Moi, on me dit plutôt que justement, je suis pas féminine du tout quand je tire, parce que j'ai commencé l'escrime avec que des garçons, donc je tire comme un garçon, apparemment. Donc en compétition, quand j'ai commencé la compétition avec les filles, on me l'a souvent fait remarquer. Mais c'est pas une question de féminité ou pas en fait. Je crois que c'est plus une question d'assurance et de force. C'est pas un rapport homme-femme, c'est juste une question de force. Une fille peut ne pas être féminine du tout dans sa façon de vivre, juste parce que c'est pas parce qu'elle n'a pas une jupe qu'elle n'est pas féminine. Mais dans sa façon d'agir, elle peut être plus masculine par des façons de faire. Et c'est pas un sport qui va dicter ça. Enfin, faire du tennis ou de la natation ou de l'escrime ou du cheval, ça reste un sport. Ça. Et c'est plus quand tu dis que je fais de l'escrime, on me dit plus c'est pas un sport de mec. Enfin, ça, c'est vraiment ressorti souvent et je suis là, non. Enfin, parce que pour eux, l'escrime, c'est des grosses épées, c'est médiéval. Et je suis là, non. Enfin, il y a autant de filles que de mecs qui en font. Et non, peut-être pas, il y a quand même plus d'hommes, mais on est quand même beaucoup et puis ça n'a rien à voir. J'ai pas la télé, mais juste quand je pense aux matchs qu'on voit, c'est du baseball, du football américain, du football, la natation, on voit jamais, les filles. Nous on nous voit à l'équitation. Les sports est très représenté à la télé, et même surtout pendant les JO, et il y a un côté sexuel qui est toujours présent vis-à-vis de la femme, alors il devrait pas. Et pour le coup, l'escrime, ça n'a pas ce côté-là, vu qu'on est tous de la même façon et qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Je pense que de plus en plus dans le sport, il y a une égalité qui se crée. Donc je pense qu'on va de plus en plus vers cette égalité et on continue leur boulot dans le sens où on vaut autant que les hommes. Je le défends et je le défendrai toujours en tant que femme et puis même juste en tant que sportive. Je défonce des mecs qui sont plus forts que moi et c'est pas parce que c'est des hommes qu'ils ont à être plus forts. Et les hommes dans tout ça ? Pierre-Marie a 27 ans, et pour lui, le sport, c'est la mixité. Je l'ai retrouvé lors de ses entraînements à la salle d'armes. J'ai fait vraiment des sports variés, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du judo, j'ai fait de la voile, et ensuite l'escrime. Et là, ça fait bientôt 14 ans que je fais de l'escrime. Dans tous ces sports, on est en club, donc on est avec beaucoup de gens. Moi, personnellement, j'ai connu plein de gens, j'ai connu des copines à l'escrime, j'ai connu des amis à l'escrime que je connais toujours. Merci aux pionnières, parce que grâce à elles, on a enfin une mixité sociale qui est presque à peu près à niveau. Il y a encore des efforts à faire, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il faut imaginer que ces femmes pionnières, elles étaient toutes seules au milieu d'un monde d'hommes, où on disait, c'était un monde extrêmement machiste, vous n'avez pas les muscles, vous n'avez pas les facultés, vous n'êtes pas là pour ça. C'était horrible, il fallait réussir à se dire je suis toute seule au milieu du club, mais je vais vous montrer que je peux y arriver, que j'ai autant ma place ici que vous. Et aujourd'hui, ça permet effectivement, encore une fois, d'avoir des amis, que ce soit masculin ou féminin. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore trop de disparités. L'exemple typique, ça va être le football. Je pense qu'aujourd'hui, le football, on paye des footballeurs des millions d'euros et on regarde à peine le football féminin. Je suis tombé sur un match de foot féminin il n'y a pas longtemps qui était juste incroyable à regarder. Il n'y avait pas des pauses tout le temps et pas de carton jaune tout le temps, de gens qui se roulent par terre. C'était extrêmement agréable, c'était du vrai sport. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une ministre des Sports qui est féminine, qui est une fleurettiste en plus, une escrimeuse. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de la place pour ces femmes dans le sport et pour dans le reste.
Et c'est vachement agréable, mais il y a toujours une disparité, et ça, c'est terrible. C'est du chemin, pas forcément pour les femmes. Je pense qu'effectivement, il y a du chemin à faire pour les femmes, mais c'est aussi du chemin dans la conscience collective, dans l'éducation. On a toujours, chez plein d'amis, des espèces de stéréotypes qui continuent à se dire de toute façon, elles n'ont pas les muscles, ou elles ont pas. Ça reste, même si c'est moins affiché qu'avant, même si elles ont plus leur place aujourd'hui, on a toujours un petit peu cette réminiscence un petit peu d'avis, de stéréotypes qui restent dans la conscience collective. J'ai fait beaucoup de sport dans plein de clubs différents. J'ai senti des niveaux de sexisme qui sont différents, et je pense que ça ne dépendait pas forcément du sport. Je pense que ça dépendait vraiment du club, des gens qui étaient dans l'entourage, le prof, les élèves. Quand j'étais à la voile, typiquement, bon, je ne citerai pas le club, hein, mais quand j'étais à la voile, le sexisme là était plus présent que dans d'autres clubs. Il y a une question d'ego, je pense qu'on leur a appris à être le mâle dominant, et donc se faire battre par une fille, c'est juste impossible. Donc comme c'est impossible, ils vont chercher quelque chose d'illogique. Ils ne vont pas chercher à se dire, elle est juste meilleure, elle a beaucoup mieux bossé que moi dans ce sport-là, et elle a les facultés pour. Ils vont se dire, ce jour-là, j'étais fatigué, je vais l'attaquer verbalement, ce sera plus simple. Là, je pourrais me défendre puisque je ne peux pas le faire sur le sport. Dans mon ancien club, c'est un petit club, et il y avait une fille, Camille Richon, qui a fait les championnats de France deux fois, et qui était donc d'un très bon niveau, et moi j'adorais tirer contre elle, et elle était bien meilleure que moi, et j'en ai aucun problème à le dire. Et c'était très agréable parce que voilà, il y avait du challenge grâce à elle, et mon objectif c'était de réussir à la battre. Et c'est en aucun cas parce que c'était une fille ou un garçon qu'elle était meilleure ou moins bonne que moi. Tout le monde a sa place dans tous les sports, mais vraiment tous. Je pense qu'il n'y a pas de... On a tous deux bras, deux jambes, donc il n'y a pas de raison. Il faut de la mixité, et encore une fois, ça apporte beaucoup de rencontrer des personnes féminines. Elles ne vont pas forcément tirer de la même façon, pas parce qu'elles sont féminines, mais parfois parce qu'elles ont juste une tactique différente. C'est juste une personne de plus avec un esprit différent, donc de toute façon, la diversité, ça fait du bien. Les filles, c'est aussi important que les hommes. Les garçons et les filles, ils ont les mêmes droits, chacun a sa passion. Et si y en a, leur passion c'est du foot, comme dit, elles ont le droit de faire du foot. J'ai rencontré Sounia, directrice du club Sport Joie Lille. Je l'ai suivie dans son club, pendant ses entraînements et aussi lors d'un match. Je me suis tournée très très vite vers le volley, peut-être en 5e. Donc du coup, ça fait quelques années maintenant que j'ai commencé. Je vais faire beaucoup de bruit. Alors ça, c'est très personnel, mais je vais m'exprimer énormément, je vais encourager. Aussi bien finalement en l'exprimant aussi bien moi-même que mes coéquipières. Et puis je vais essayer de créer un élan, je vais essayer de fédérer en fait autour du truc. Moi ça me fait un bien fou, et de voir que quand il y a un beau point qui est défendu, qui est construit, où on a joué ensemble, où on est chacune aller sauver les miches de l'autre. Il y a un truc de solidarité aussi qui me plaît énormément dans ce sport. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire du Krav Maga et être hyper féminine. Bien sûr, dans ta tenue de sport, tu en as certaines qui sont plus adaptées à l'expression de ta féminité. Mais je pense que ce qui dégage de toi, tu peux le dégager, quelle que soit la tenue que tu portes, en fait. J'ai l'impression quand même qu'il y a un problème de crédibilité, même sur les filières où les femmes réussissent parfaitement. C'est le cas du foot, par exemple, le foot, le hand, où les femmes font de la performance également, qui n'est pas autant prise au sérieux que celle que peuvent fournir les hommes. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, la majeure partie des mecs, et certaines femmes aussi, considèrent que la femme n'a pas sa place dans un exploit sportif, que la femme n'a pas sa place dans beaucoup de choses, qu'elle est moins légitime et plus corvéable. Maintenant, changer les états d'esprit, les mentalités, ça prend du temps. Hein. C'est un travail du quotidien, et puis c'est donc en parler, être solidaire aussi.
Si on aime le sport, bah, suivons aussi les compétitions des femmes. Chez nous, les portes sont ouvertes en fait. C'est vraiment notre vocation, c'est de donner accès à une activité sportive et collective de surcroît au plus grand nombre. Donc il n'y a pas de critères d'origine sociale, ethnique ou de genre. Et je trouve ça super chouette de pouvoir développer des équipes filles en même temps que des équipes mecs, d'avoir des équipes mixtes avec des filles qui jouent le jeu, enfin des mecs qui jouent le jeu aussi de la mixité. Un mec ne ferait pas mieux le job que moi. Je n'ai pas l'impression que le mec qui a quitté ses fonctions juste avant moi le faisait aussi bien. Après, ça c'est personnel. Le risque, quand tu es une nana, si tu manques un peu de caractère, tu peux facilement devenir l'image, la représentation, mais qui n'a aucun poids dans les décisions, qui finalement suit ce que les mecs du bureau ou les plus grandes gueules du club proposent. L'idée, c'est quand même d'être président et de s'exprimer, de s'assumer, de faire respecter les décisions du bureau, toi en tant que président, que tu sois homme. Après, je ne sais pas, hein, je ne suis pas un mec, je ne peux pas me rendre compte des interactions humaines quand tu es un mec, mais je pense que du coup, la partie séduction, c'est un peu compliqué à gérer quand t'es une nana. C'est les poignées de main avec les... tu vois, le truc, bon, on s'appelle, hein. Non, enfin, bah oui, pour parler du club, mais... bah voilà, c'est peut-être ce truc-là qui me chiffonne un peu parfois. Après, je sais pas, je suis pas un mec, hein, donc peut-être qu'il y a certaines nanas qui le font. Moi, c'est pas mon truc, voilà. Et donc, effectivement, dans ces moments-là, je me dis, ah, si j'étais un gros président, j'aurais pas ce genre d'attitude, quoi. Il y a eu des combats de taille qui ont été menés pour des choses qui, aujourd'hui, nous paraissent complètement dérisoires. Ne serait-ce qu'avoir le droit de faire une compétition sportive. Il n'y a pas de critères de jugement là-dessus. On est tous différents, on a chacun nos qualités, nos défauts en tant que personne et en tant que personne genrée aussi. Non, il n'y en a pas certains meilleurs que d'autres. Mais les mecs ne sont pas meilleurs que les nanas, ils jouent différemment et ils ont des contraintes autres. On n'a pas les mêmes performances physiques, on sera meilleur dans certains domaines que les mecs et inversement. Et donc pour moi, c'est une richesse en fait. C'est pour moi quasiment obligatoire pour avoir toute la palette d'un sport, de le voir pratiqué par une femme et par un homme. C'est pas du tout les mêmes façons de jouer. T'as de la technique qui va s'exprimer plus que du physique. On a tous une façon d'appréhender un sport, et connaître un sport et l'aimer, c'est le connaître pratiqué par tous les types de populations. Le sport, c'est pour tous, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de sexe dans le sport. Mais il y a encore du chemin à faire avant que la femme sportive ne soit reconnue avec la même légitimité que l'homme sportif. Mais pourtant, j'y crois.